Inner Mastery peut être considérée comme la multinationale des psychédéliques. Cette organisation propose des retraites de plusieurs jours pendant lesquelles les participants peuvent tester toutes sortes de drogues hallucinogènes comme l'ayahuasca, le buffo, la mescaline ou encore l'iboga. Ces retraites plus ou moins clandestines se déroulent dans des maisons un peu partout en Europe et en Amérique latine. Nous nous sommes invités dans l'une d'elles, dans le petit hameau de Rossard en Belgique. Nous avons pu filmer plusieurs séquences qui montrent les risques de dérives sectaires et thérapeutiques de cette organisation. La retraite coûte 230 euros par jour. Cela comprend l'hébergement, la nourriture et surtout une cérémonie nocturne sous ayahuasca, un hallucinogène préparé à partir d'une décoction de plantes amazoniennes. Juste avant cette cérémonie, le responsable français d'Inner Mastery nous prépare à ce qui va suivre. Il développe tout un discours pseudo-médical sur fond de développement personnel pour nous inciter à prendre d'autres substances disponibles pendant le séjour, comme par exemple le cambo et le buffo. C'est le cambo, ouais. Qui est un tic, qui travaille plus au niveau physique et émotionnel. Cet homme, ça va faire une nouvelle en profondeur, et comment faire un décès de tout système de mon sort. Le bouffon qu'on partage après l'intégration, c'est une connexion directe avec la partie spirituelle. Tu parles après. Ça peut être une idée, un mensonge. Pour l'instant, on va y croire. Mais sache que si t'es là, c'est pour une raison. Ces deux médecines, comme il dit, sont facturées 150 euros chacune. Le cambo provient d'une sécrétion de grenouille amazonienne. Il peut être responsable d'intoxication aiguë avec des effets graves, potentiellement mortels. Le buffo, lui, est un hallucinogène très puissant dont les effets durent 15 à 30 minutes. L'un des participants, appelons-le Victor, âgé de seulement 20 ans, nous explique qu'il arrive tout juste d'une précédente retraite d'ayahuasca à Madrid, dirigée par le fondateur d'Inner Mastery, Alberto Varela. S'enchaîne 3 jours là-bas, 3 jours ici. Il nous décrit son expérience du buffo. En vrai, c'est dans son petit temps, il va chauffer et tu respires. Et après, en vrai, une seconde ou deux, quoi, t'as les effets directement. Et... tu aspires la fumée comme une cigarette, quoi. Ouais, mais il faut faire doucement et pendant longtemps que tu fait. Après, et à la fin, tu dors. Et là, ça va commencer à venir et ça dure à peu près 15 minutes. Dans la soirée, Victor et une autre participante française nous expliquent le fonctionnement des Inner Coins, la monnaie virtuelle d'Inner Mastery. C'est quoi les crédits? C'est ce que j'ai payé. Moi, j'ai payé par carte bleue, en fait. Ouais. Oui, ils appellent ça des crédits, parce qu'on parlait d'un coin. Ah oui. J'ai payé 1000 euros, j'ai 1000. La compagnie incite ses clients et ses employés à utiliser cette monnaie interne pour payer les retraites, les formations et toutes sortes de services comme des cours ou des vidéos. Au début, je me disais, je vais payer avec mes sous, sauf que par exemple, quand tu mets 1000, t'as 1100. Ils te donnent des crédits en plus. Ouais. Après, tu payes avec le compte, en fait, c'est une application. Ah, ok. Et tu peux faire les transferts. Victor a justement profité de ce type d'offre pour convertir une grosse somme. T'as mis combien toi? Moi, du coup, pour faire tous ces événements, j'avais mis 2000. 2000? Tu peux récupérer tes sous après si tu veux. Je sais pas. Vers 21h30, la cérémonie d'ayahuasca commence enfin au dernier étage de la maison, dans une grande pièce sous les toits. C'est Eliane, le fils du fondateur d'Inner Mastery, qui va mener cette retraite. Sa présence est exceptionnelle. Après environ 2 heures d'un interminable monologue en espagnol traduit en français et en anglais, il donne la parole aux participants qui racontent la raison de leur venue. Celui-ci, par exemple, explique qu'il est suicidaire et que l'ayahuasca pourrait l'aider à ne pas passer à l'acte. Quasiment tous les participants qui sont venus à cette retraite étaient là pour résoudre des problèmes psychologiques, psychiques. Ils avaient tous une certaine fragilité et des difficultés au quotidien. Chaque intervention est entrecoupée d'intermèdes musicaux ou de réflexions philosophico-spirituelles d'Eliane. Vers 23h, ils se décident enfin à donner l'ayahuasca tant attendu. Chaque participant vient à tour de rôle boire la décoction verdâtre présentée dans le même verre. Des sous ont été placés devant chaque matelas car l'ayahuasca provoque des vomissements et des diarrhées. La pièce est plongée dans le noir, les gens commencent à halluciner mais aussi à vomir. Une heure après la prise d'ayahuasca, le responsable français d'Inner Mastery propose un booster à ceux qu'il souhaite. Tu as déjà pris. Tu vas respirer profond.
Il s'agit en fait de râper une poudre à base de tabac qu'il souffle violemment avec une sorte de sarbacane dans les narines. Écoutez le bruit. Une deuxième tournée d'ayahuasca sera proposée un peu plus tard. Certains vont avoir une nuit très agitée avec des visions cauchemardesques. Pendant environ 4-5 heures, Eliane va jouer toutes sortes de musiques entêtantes et insupportables. Il finit par diffuser une playlist de chants grégoriens. La cérémonie se termine vers 4h du matin. Le lendemain, vers 9h, 10h, le cambo est proposé à ceux qui le souhaitent pour 150€ supplémentaires. L'après-midi aura lieu une session de buffo à 150€ aussi. Et le soir, une nouvelle cérémonie nocturne d'ayahuasca. Tout cela pendant 3 jours. Amouri, amouri, ayahuasca.